وجمع فور نعرف انت مشهور تترك قلب مكسور عم افرق اللي عريت فينا الوجع محفور منعرف انت مجبور تترك قلب مكسور عم افرق اللي عريت Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être là pour dénoncer une fois de plus les crimes de l'État d'Israël. En fait, nous allons juste rappeler les derniers chiffres de cette agression macabre, lire un court texte et ensuite commencer notre marche qui finira vers l'été en bas. Depuis plus de 400 jours, la machine de guerre israélienne tue et détruit de manière folle et aveugle. Elle n'épargne rien ni personne, ce soit sanguinaire et sans limite. Elle est encouragée par des pays qui se disent libres, mais qui continuent à lui fournir soutien et armes. Donc je voudrais ici rappeler les derniers chiffres, mais malheureusement, entre le moment où les chiffres sont notés et le moment où on les annonce, il y a déjà pas mal de morts en fait et de blessés. Les chiffres que je vais donner ici sont pour l'essentiel ceux publiés par l'organisation de l'ONU. À Gaza, nous sommes à plus de 43 000 morts, plus de 100 000 blessés, de 10 000 disparus, près de 70% de ces victimes sont des femmes et des enfants. Un enfant est tué ou blessé toutes les 10 minutes à Gaza. Au Liban, en 40 jours, il y a eu plus de 3 000 morts et 14 000 blessés. En Cisjordanie, nous sommes presque à 800 morts et plusieurs milliers de blessés. Ajoutons à cela 11 000 prisonniers. La communauté internationale doit assumer ses responsabilités et agir. L'Europe doit imposer des sanctions à Israël. Il est temps que ce génocide cesse. Ce soir, j'aimerais vous lire un texte de Tim Follet. Je ne détournerai pas le regard. Quelle que soit l'horreur de la situation, je ne détournerai pas le regard. Quel que soit le nombre d'enfants que je vois tués et blessés de la façon la plus effroyable qui soit, je ne détournerai pas le regard.
quelle que soit l'ampleur de la souffrance humaine que je constate, en regardant les yeux rivés sur Gaza, je ne détournerai pas le regard. Peu m'importe le nombre de cauchemars que je fais, je ne détournerai pas le regard. Peu m'importe le nombre de larmes que je verse, je ne détournerai pas le regard. Quel que soit le nombre de raisons que les propagandistes et les manipulateurs inventent pour que je regarde ailleurs, non, je ne détournerai pas le regard. Peu m'importe le nombre d'insultes et d'accusations dont je suis la cible pour avoir refusé de détourner le regard, je ne détournerai pas le regard. Peu m'importe s'il m'est bien plus facile de détourner le regard, je ne détournerai pas le regard. Je ne détournerai pas le regard, je ne me laisserai pas distraire, je ne me perdrai pas dans la torpeur du refus de la réalité. Je ne ferai pas tout mon possible pour prétendre que tout est normal et que la vie est fondamentalement belle. C'est une promesse bien dérisoire, vraiment. Peu de choses, mais c'est tout ce que j'ai à offrir. Cet engagement simple et sacré d'honorer les victimes en refusant de détourner le regard de ce qui leur est infligé, d'être là pour eux tant que cela sera possible. Les habitants de Gaza souffrent bien plus que je n'ai jamais souffert et probablement bien plus que je ne souffrirai jamais. Mais, à ma modeste et tout à fait imparfaite façon, je peux essayer de veiller à ce qu'ils ne souffrent pas seuls. À la hauteur du regard d'une personne, de l'attention d'une personne, de la révérence d'une personne, je peux m'assurer que le monde ne leur tourne pas le dos. Je peux m'assurer que de cette hauteur, ils ne sont pas oubliés. De cette façon, même si les autres efforts que je peux fournir échouent, même si nos efforts collectifs échouent, même si les mobilisations n'aboutissent pas, même si nous ne parvenons pas à ouvrir un nombre suffisant d'yeux et à exercer suffisamment de pression au niveau approprié, alors au moins leur mort, leur préjudice et leur détresse ne seront pas passés inaperçus, ne seront pas invisibles, ne seront pas sans valeur, ne seront pas sans témoins. Je ne détournerai pas le regard, parce que ces vies comptent et que j'ai le devoir de les honorer. Je ne détournerai pas le regard, car cela reviendrait à accorder aux salauds ce qu'ils souhaitent. Je ne détournerai pas le regard, car même de mon impuissance à aider, j'ai encore le pouvoir de témoigner. Je ne détournerai pas le regard, pour la même raison que lorsque mes proches meurent, je leur tiens la main et reste à leur chevet jusqu'à ce qu'ils soient partis. Même si nous ne pouvons rien arrêter, nous pouvons au moins partager notre témoignage. Nous leur devons au moins cela. Ne détournons pas le regard. En hommage à toutes les victimes, Israël assassine chaque jour tous les mutilés, tous les enfants orphelins, tous les parents orphelins. Je vous propose une minute de silence en hommage pour ne pas détourner le regard.
Nous allons maintenant, on a eu le droit de déambuler, si vous avez des torches, des lampes, des portables. Ça va être aussi le moment, un moment de recueillement dans cette marche, mais aussi un moment de faire du bruit, de nous faire entendre. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Palestine, Palestine, les enfants de Palestine. Palestine, vivra! Palestine, vaincra! 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 Tous des Palestiniens! Nous sommes tous des Palestiniens. 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 Il est trop grand. Aux enfants de Gaza, au Liban, ils tuent nos 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 enfants de Gaza, au Liban. Palestine, vivra! Palestine, vaincra! Palestine, vivra!
vaincra. Nous sommes tous des Palestiniens. 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 Cessez-le-feu permanent. Cessez-le-feu immédiat. Les enfants de Palestine, Israël assassine 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 les enfants de Palestine, Israël assassine. Free Palestine! Free Palestine! Free.
free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, vivra Palestine, vaincra. Palestine, vivra Palestine, vaincra. Palestine, vivra Palestine, vaincra. Palestine, vivra. Nous sommes tous des Palestiniennes. Nous sommes tous des Palestiniennes. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniennes. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniennes. Nous sommes tous des Palestiniennes. Nous sommes tous des Palestiniennes. Nous sommes tous des Palestiniens. Et vive la lutte du peuple palestinien. 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 Stop, stop, génocide. 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 Free, free Palestine. 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 Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, vivra Palestine, vaincra. Palestine, vivra Palestine, vaincra. Palestine, vivra Palestine, vaincra. Palestine, vivra. Stop, stop, génocide. 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 Thank you.
Ça va être dur encore. Ça va être long, il ne faut rien lâcher. C'est nos voix qui comptent. Nos voix sont leurs voix. C'est dur d'être là à chaque fois, on le sait. Pourtant, il faut bien qu'on y soit. Pour eux, c'est important. C'est notre dignité humaine, je pense, qui est en jeu. On est tous fatigués. Bien moins qu'eux. Bien moins qu'eux. Vraiment moins qu'eux. La FPS que nous représentons ce soir essaye de récolter des dons pour envoyer à Gaza avec des associations fiables. N'hésitez pas si vous voulez faire parvenir votre générosité jusqu'à eux. François peut prendre les adresses aussi internet pour être au courant de ce qu'on organise, les manifestations bien sûr, mais aussi les ciné-débats, les échanges. C'est pas facile en ce moment. Ça fait du bien de se retrouver un peu ensemble et on voulait vous remercier d'être là ce soir. Palestine vivra, Palestine vaincra.